Olivia. Donc, merci à toutes et tous et je vous présente mes excuses pour les quelques minutes de retard. Bienvenue à cette session sur, qui va traiter de la prévision, la prévention, une action sur les risques de conflits liés aux ressources. Et moi, je suis Suzanne Schmaier. Je travaille dans le partenariat sur la paix et la sécurité de l'eau. Je travaille en fait à l'IHE de Delft, c'est l'Institut pour l'éducation sur l'eau à Delft, où je suis professeure associée. Et nous avons toute une série de partenaires qui convoquent cette activité, le JEZ d'Allemagne, la Commission européenne, le gouvernement des Pays-Bas, l'IHE, donc l'Institut de Delft, et puis le WRI, l'Institut sur les ressources de l'eau, le World Resources Institute. En fait, le thème que nous traitons aujourd'hui vient à point nommé en matière de développement, parce que bien souvent, on sait que naturellement que les crises sont à l'origine, mais il est important d'avoir un signal précoce de l'émergence d'une crise pour les décideurs politiques au niveau national, régional, international. Et malheureusement, souvent, les mesures ne sont pas prises à ce niveau, d'où l'importance de poser des questions par rapport à l'eau, à l'énergie, à la sécurité alimentaire. Bien sûr, les conflits, les crises, donc, liés à des conflits sont liés à ces éléments. Nous vous demandons également d'éteindre vos micros et nous serons ravis de pouvoir prendre note de tous les commentaires, de toutes les questions. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la fonction de la messagerie, donc du chat. Il faut également savoir que vous avez accès à une interprétation puisqu'il y a une interprétation simultanée vers le français et l'anglais. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Sans plus attendre, je vais passer la parole à notre première intervenante, Madame Hilde Hardemann de la Commission européenne, qui est directrice du service pour les instruments de politique étrangère. Elle travaille donc sur les instruments de politique étrangère et nous sommes véritablement ravis de compter cette personne parmi nous. Bonjour. Et je suis vraiment honorée de pouvoir participer à cette session aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, le changement climatique présente des défis qui sont inédits. La hausse, et nous sommes dans une position déterminante pour bien comprendre la dynamique autour de la paix de l'eau. Le rôle de l'eau, évidemment, est bien connu. Il est inhérent à l'humanité et avec le changement climatique, une question épineuse durant de nombreuses années gagne en complexité et les crises, les conflits dans le monde entier sont bien reconnus comme étant à l'origine des conflits, c'est une évidence. Aujourd'hui, les événements auxquels nous assistons obligent à passer de l'examen des causes pour pouvoir aborder les solutions pour remédier, donc la prévention des conflits avant qu'il y ait une escalade. Et au niveau de l'Union européenne, l'eau est véritablement au cœur de l'engagement. Au cœur de notre engagement, nous avons également un engagement ferme au niveau de la politique étrangère de l'Union européenne pour garantir une intégration systématique de l'eau en sus des questions climatiques et cela en lien avec les conflits parce que l'eau est une ressource essentielle, bien naturelle, bien naturellement on en a besoin et elle est au cœur des opérations que nous menons en matière de développement et au cœur des instruments lié à la paix. Donc il y a un lien entre la paix et les conflits et l'eau. Et dans la réaction, dans la réponse aux conflits, nous mettons l'accent sur des mesures préventives, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités pour examiner tous les éléments liés à la sécurité. Et nous mettons l'accent sur des systèmes d'alerte précoce au niveau local, pour que des communautés vulnérables puissent remédier à des situations spécifiques et développer des plans d'adaptation. En matière de ressources
hydrique, nous mettons l'accent sur toute une série de questions liées entre elles, la coopération transfrontière, le renforcement des capacités des institutions notamment. Nous avons affaire à une complexité impressionnante qui requiert des réponses intersectorielles et nous devons également travailler entre les frontières dans un contexte transfrontière du fait de la problématique liée à l'eau. De ce fait, nous avons des acteurs des pays partenaires, des acteurs étatiques, des organisations internationales, des entreprises, des ONG du monde entier qui prennent part à nos initiatives, notamment le projet Flexus, qui est développé dans le Sahel et que nous allons développer au cours de cette session. Il y a des aspects que je souhaite d'emblée développer et qui sont importants à mes yeux. Tout d'abord, l'importance du besoin de bien comprendre les liens, les articulations, et Flexus précisément porte son regard sur les ressources naturelles, sur les impacts négatifs du changement climatique, sur les conflits, et cela permet à toutes les parties prenantes de bien appréhender les éléments de mitigation associés aux ressources naturelles. Donc, il ne s'agit pas uniquement de procéder à une analyse, mais également, il faut passer à l'action. Autre point, c'est l'inclusion, l'importance de donner les moyens d'autonomiser les populations locales pour pouvoir mettre en œuvre des mesures sensibles axées sur le conflit, sur le climat, et cela dans un contexte de paix. C'est important, je le sais, mais c'est uniquement en mettant l'accent sur ces problématiques que nous allons véritablement pouvoir assurer des avancées. Et je suis particulièrement ravie de voir que les discussions de ce jour comptent sur une palette d'experts qui ont porté leur regard sur cette problématique pendant de nombreuses années, notamment dans le Sahel, et qui ont énormément de leçons d'enseignement à partager avec nous. Nous savons pertinemment bien que quand nous discutons ces questions, il faut tenir compte que les défis sont considérables. Il y a des contraintes de temps et je suis pleinement confiante quand je vois à quel point les parties prenantes sont impliquées, les experts scientifiques, ceux qui sont liés à la construction de la paix. Il est important, je suis confiante parce qu'ils sont très impliqués et cela sera un gage de travailler dans la durabilité, dans la gestion de l'eau et de la paix, parce que nous ne devons jamais oublier que en travaillant, en agissant de manière intelligente sur la base des analyses que nous développons, nous pourrons véritablement marquer une différence, changer la donne. Et merci beaucoup. J'insiste qu'il faut vraiment tirer le plus d'éléments de cette opportunité. Grand merci pour ce chaleureux message de bienvenue. Je ne voudrais pas que nous perdions plus de temps, en tout cas sans plus attendre, plutôt nous avons un discours liminaire de la prochaine intervenante qui a également été présidente de WPI. C'est un acteur majeur de la communauté liée à la paix et à la sécurité de l'eau. Merci beaucoup Suzanne et merci à Madame Hardeman pour son engagement en matière de paix et de sécurité de l'eau. C'est vraiment décisif dans le contexte des crises émergentes par rapport à l'eau et au climat qui sont des causes majeures. Il faut réduire les risques, mais également cela permet de sauver des vies, de préserver des vies et des conditions d'existence, des moyens d'existence. Donc, avec en matière d'initiative sur l'eau et la paix, il faut mettre l'accent sur les décideurs politiques et voir comment ils prennent des mesures pour prévenir les conflits, pas seulement sur le terrain, mais également, donc ils
J'endosse une responsabilité majeure. Il faut prendre des bonnes actions, mais cela requiert de disposer des bons outils, des outils appropriés. Et dans beaucoup de zones sensibles, on observe une vulnérabilité aux conditions, à l'accès. Et les communautés sont déstabilisées, en particulier les communautés les plus vulnérables. Il y a donc un caractère agrégé des différentes dimensions, des différents risques, avec des défis qui sont plus profonds, mais également qui s'étendent dans le temps. L'action, donc, requiert une action urgente, mais une compréhension. Il faut effectivement bien comprendre tous ces éléments particulièrement complexes pour s'adapter à cette nouvelle réalité en assurant une atténuation des risques. Cela implique que les communautés puissent résister aux pressions, mais cela impose également de hiérarchiser les mesures à prendre en matière de prévention des conflits. L'atténuation des risques liés au climat oblige de se porter sur tout ce qui est lié à l'eau et à la sécurité. C'est un message qu'il faut faire passer tous azimuts. Il faut bien comprendre qu'il dans le lien entre climat, eau et sécurité. Et c'est la raison qui est à la base de l'émergence de ce partenariat qui permet de développer des outils pour aborder les risques et qui permet aux communautés de prendre des mesures. Nous nous basons sur des publications, nous utilisons les outils diplomatiques en matière de défense, nous dégageons des apprentissages et nous établissons des articulations entre toutes ces leçons. Et puis nous misons sur le dialogue au niveau institutionnel, mais également de manière informelle avant de passer à l'action. Tout récemment, notre partenariat a développé des ateliers, notamment au Mali, et ils ont permis de regrouper différents acteurs, y compris le secteur privé. Et c'est ce que tout cela nous permet, c'est d'impliquer les sociétés et d'agir dans des communautés où les eaux notamment sont polluées. Et cela, donc, est un forum qui permet de nous regrouper, ce qui est important pour conscientiser les acteurs autour de la paix et de la sécurité. Néanmoins, malgré l'existence de tous ces outils de détection précoce, les conflits perdurent. Il est donc important d'agir sur la mise en œuvre de la sécurité, mais cela nous oblige à. Nous avons effectivement des fondations solides pour intervenir, mais il faut mener des enquêtes sur les domaines spécifiques qui vont permettre d'accélérer les mesures à prendre et il faut développer des partenariats stratégiques autour du climat, de l'énergie, de l'alimentation, au niveau des communautés. Et puis, il faut effectuer un reporting régulier en mettant l'accent sur les bonnes pratiques en matière d'adaptation climat, en identifiant des domaines de coopération et des domaines associés au conflit. Il faut donc une réponse globale et établir ce lien entre la paix et la sécurité. La coprésidence de la conférence des Nations Unies de 2023 sur l'eau, donc la conférence pour la décennie de l'eau, va être au cœur de toutes les attentions et elle va être essentielle pour définir la voie à suivre ainsi à l'avenir. Et la communauté a besoin d'avoir des outils, d'avoir des communications, qui vont lui donner les moyens et les Pays-Bas sont prêts à poursuivre l'appui en ce sens avec les États membres, avec la Commission de l'Union européenne, avec la Commission européenne, le partenariat sur l'eau et de nombreux autres acteurs. Nous sommes prêts à travailler parce que le monde a besoin de passer à une autre phase et d'être une réalité qui est du domaine du possible.
Je pense notamment à l'Afghanistan où les risques liés à l'eau sont un risque également pour la sécurité et ils sont fortement liés à toutes les problématiques humanitaires. Nous sommes donc prêts à poursuivre ce partenariat. Je tiens à vous remercier toutes et tous et à vous souhaiter une excellente session et je suis ravie de penser à la poursuite de notre travail. Merci effectivement pour cet appel. Un appel universel pour répondre, pour remédier à la crise actuelle. Il faut agir sur cette crise, mais pour ce faire, il faut savoir ce qui se produit avant, de préférence que les problèmes ne se présentent, d'où le besoin d'outils d'action précoce. Et le WPI reçoit l'appui des Pays-Bas et du gouvernement allemand pour travailler sur les différents risques, notamment à l'eau. Nous avons le directeur du WRI qui va nous fournir un aperçu de cet outil d'alerte précoce. Merci beaucoup, Susanna. Je vais activer mon PowerPoint. En fait, l'outil est très visuel. Cela évidemment, pour savoir ce qui est disponible, il ne faut pas nécessairement suivre tous les détails qui apparaissent sur la carte. En fait, bonjour à toutes et tous. Je suis donc le directeur du programme et nos partenaires, y compris le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et la JSZ, sont des partenaires essentiels sans lesquels on n'aurait pas pu réaliser tout ce travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc, l'outil d'alerte précoce est, en quelques mots, un outil de prédiction des conflits. Et pourquoi agir en ce sens? Eh bien, parce que les conflits sont évidemment des problématiques très graves dans les pays en développement. En 2017 uniquement, l'eau a été un facteur majeur de conflit dans pas moins de 45 pays, notamment en Syrie. Et ces conflits se développent en nombre impressionnant. Les conclusions liées au conflit se basent sur l'utilisation d'une base de données qui s'appelle ACLED, c'est l'acronyme que nous utilisons pour la décrire. Et sur la dia suivante, vous avez un aperçu du modèle global. Donc, nous prédisons les conflits, nous effectuons des prédictions des conflits sur 12 mois. Conflits signifiant qu'il y a au moins 10 décès. Et nous nous basons sur un modèle qui s'appuie sur une forêt schématique d'arbres de décision. Nous réalisons des prévisions par rapport aux conflits, à la paix, au niveau inférieur aux États. Donc c'est le niveau de précision sur le plan géographique que nous développons et nos prévisions sont mises à jour tous les 3 mois, puis postées sur notre site web, donc le site web du WPS. Les données sont en accès libre pour le public et puis nous identifions des corrélations, donc pas la causalité. Et puis, notre modèle reprend des variables sur le climat en temps réel et d'autres qui sont liées à l'eau. Ici, vous voyez que notre modèle de détection précoce, d'alerte précoce, est vraiment important pour anticiper des conflits futurs. Nous avons des variables qui portent sur les questions démographiques, économiques, sur l'alimentation et il y a les conflits passés, tout comme les conflits futurs à prévoir qui apparaissent. Nous utilisons uniquement de 10 à 15 variables
Même si il y a plus de 200 variables dans le modèle, nous limitons en tous les cas à un certain nombre de variables. Le modèle en tant que tel se base sur une prévision de 86% des conflits. Et nous basons sur une surprévision des conflits émergents. Nous travaillons mieux d'ailleurs sur la prévision des conflits en cours que ceux des conflits émergents. Ici, vous avez des informations qui portent sur la période mai à juin. De juin 2021 à mai 2022, et la diapositive qui est à l'écran à présent va évoque la capacité de prévision. En fait, dans les pays en développement, il y a une pression démographique qui exerce une pression sur les ressources naturelles et qui génère plus de conflits autour de ressources naturelles, certes limitées. L'augmentation des revenus dans la région permet à beaucoup de s'extraire de la pauvreté tout en risquant d'intensifier la pression sur des ressources naturelles limitées ou qui s'appauvrissent. Notre outil mondial nous permet d'effectuer un suivi de nombreux phénomènes qui alimentent les conflits ou en résultent, notamment les anomalies au niveau des précipitations, comme vous voyez à l'écran. Il y a également des anomalies liées à l'évapotranspiration, un indicateur de la santé des cultures, comme vous le voyez à l'écran. Nous pouvons également suivre et afficher les conflits en tout genre, notamment des conflits récents que vous voyez ici, qui s'appuient sur la base de données Acled, des conflits de différentes natures et qui portent des couleurs différentes. Nous pouvons également mettre en évidence les déplacements de populations dus à des conflits ou à des catastrophes naturelles. Vous pouvez l'apercevoir sur la carte, sans oublier toute une série de variables qui sont disponibles en ligne. Nos prochaines priorités en matière de mise à jour de notre outil global vont miser sur l'amélioration de la modélisation des prévisions, sur l'élaboration d'un modèle causal aussi, un modèle causal qui va nous aider à mieux comprendre les facteurs de causalité, les éléments sous-jacents derrière les variables, et puis nous souhaitons effectuer une analyse minutieuse des données en ajoutant de plus des ensembles de données à forte valeur ajoutée, notamment par rapport au déboisement, etc., sans oublier le besoin d'améliorer la communication et l'accessibilité de nos résultats. Un des objectifs pour la COP, c'est renforcer la conscientisation autour de ces questions en matière de réaction aux catastrophes et en matière d'amélioration des capacités des acteurs pour pouvoir remédier à ces problématiques ou apporter des réponses à ces problématiques. Comment utiliser à présent cet outil mondial? Tout d'abord, il faut pouvoir identifier les points chauds des conflits et des problèmes liés à l'eau. Il faut également effectuer des comparaisons entre les régions et déterminer des priorités. Et puis, il convient d'étudier les données sous-jacentes qui sont associées à la prévision des conflits, à l'anticipation des conflits. Ensuite, il est important de pouvoir voir plus loin, et pour ce faire, il convient de mener une analyse et d'assurer l'implication au niveau local. Pour l'heure, nous travaillons au Mali et en Irak, mais nous souhaitons également étendre nos travaux au Kenya et dans un autre pays. Dernière dia, bon, je sais que je vous ai présenté toutes ces informations en très peu de temps. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions au cours de cette session, si le temps nous le permet. Merci beaucoup. Merci, Charles, d'avoir partagé ces informations par rapport à l'outil de prévision. Je propose à présent que l'on passe
aux discussions des panels, comment permettre que tous ces outils débouchent sur des actions et comment permettre qu'ils aident à atténuer, à prévenir les conflits, également à mettre en place les réponses adéquates pour au niveau des gouvernements locaux, nationaux, de la communauté internationale également, pour qu'il y ait des actions ponctuelles qui soient efficaces et ciblées. Je suis ravie de compter parmi nous sur la présence de quatre intervenants. Sharon Burke, qui a travaillé dans l'administration Obama, au niveau de la défense, et puis une personne qui a un long parcours dans l'administration américaine et qui est une grande experte au niveau mondial par rapport aux questions d'eau, d'énergie, d'alimentation et de sécurité. Nous comptons parmi nous également sur la présence de Moussa Abdoumoumouni, qui travaille à l'autorité du bassin du Niger, l'ABN au Mali, et qui a travaillé précédemment au ministère de l'eau du Niger. C'est un expert en définitive sur toutes les questions liées à l'eau dans son pays et toutes les questions liées à l'énergie également et à l'alimentation. Nous avons également parmi nous Nouradine Zakaria Touré, qui représente la coordination régionale des usagers, la CRUBN du Mali. Vis-à-vis d'acteurs notamment tels que l'autorité du bassin du Niger. Nouradine va nous présenter la perspective des utilisateurs. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux orateurs. Première question, elle s'adresse à Sharon. Pensez-vous en général que le monde est bien conscient de tous les défis qui sont liés à l'eau, à l'énergie et à l'alimentation et bien conscient des conséquences que cela peut avoir sur la sécurité? Quel est l'impact de cela sur les actions que nous voudrions poindre à l'horizon? Eh bien, je suis ravie de compter sur vous aujourd'hui. Je ne pense pas que le monde est bien conscient de tout cela. En fait, nous sommes au cœur d'une crise. Si vous habitez dans le sud de Madagascar aujourd'hui, je suis certaine que vous avez pleinement conscience de tous les défis liés à l'eau, à l'alimentation, etc. Vous êtes certainement bien conscient des défis et vous avez. En fait, je pense que pour ce qui concerne la politique étrangère, d'après dans le pays dans lequel duquel je proviens, je ne pense pas que l'eau, la nourriture et le changement climatique sont au haut de notre liste pour ce qui concerne le pouvoir économique. C'est le cas pour les sécheresses, les manques de pouvoir d'agronomie n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. Et un aspect de ce manque de confiance est que on fait attention à cela pendant les crises, quand c'est beaucoup plus difficile d'aborder les choses, de résoudre les choses. Et une fois que la crise est passée, même si les problèmes sous-jacents n'ont pas été résolus, on oublie tout. Et de façon générale, je pense que ça fait partie de la nature humaine d'aborder les complexités par rapport à l'énergie, la sécurité, la stabilité, la paix, l'alimentation. Tout ceci travaille ensemble, sont liés l'un à l'autre et on n'a pas les compétences cognitives pour comprendre ces complexités et encore moins de planifier et de prévoir, de voir les choses dans leur ensemble. Donc l'une de ces tendances, ceci ne fait pas partie des variables. L'une des raisons pour lesquelles je suis intéressée par l'outil de paix, sécurité et d'alimentation, et de l'eau, c'est parce que quand il y a des aspects si complexes, on ne peut pas faire face jusqu'à ce qu'on soit dans la situation, dans les crises. Il faut vraiment regarder vers l'avenir et prévoir les choses. Je ne pense pas qu'on soit assez conscient de la situation, de cette situation, pour pouvoir y faire face de façon systémique. Merci beaucoup, Sharon. Il y a beaucoup de
travail à faire pour chacun, chacune d'entre nous. Je vais parler maintenant d'une région qui a connu des insécurités, des défis par rapport à l'eau, à la paix, à la sécurité. Donc, Momouni Moussa, qu'est-ce que vous pensez et quels sont les défis clés pour ce qui concerne l'eau, l'énergie et la sécurité dans le bassin du Niger? Et est-ce que vous pensez qu'on a les éléments nécessaires pour faire face à cela? Momouni, êtes-vous là? Pourriez-vous répondre à la question, s'il vous plaît? Je pense qu'il faut que les techniciens nous aident et peut-être que Andrew va devoir intervenir. Jacob, je vois qu'il y a un problème technique du côté du délégué de l'eau. Peut-être on va demander à Nourine Zakaria Touré de prendre la parole, qui fait aussi partie de cette région. J'aimerais savoir si donc quels sont les défis clés dans la région. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour y faire face? Très bien. OK. Il y a quand même un écho, si vous pouvez. Oui, oui, oui. C'est la traduction. Merci beaucoup, madame. Vous me recevez? Oui, très OK. Bien. Merci beaucoup, madame, de nous avoir invités à ce panel extrêmement important. Je voudrais dire que au niveau de du Sahel et particulièrement dans le nord du Mali que je connais très bien, les défis par rapport à l'eau, la paix, la sécurité, pour dire l'eau comme vecteur de paix et de sécurité dans le Sahel. On peut, entre autres, parler de la participation active de tous les acteurs, y compris les femmes et les jeunes, de l'engagement des parties prenantes, de la responsabilisation de chaque acteur, de la protection des personnes et de leurs biens, du respect des engagements pris par les différents acteurs, et enfin, une attention particulière aux couches vulnérables, comme les handicapés, les femmes et les jeunes. Voilà un peu quelques défis liés à l'eau, la paix et la sécurité. Maintenant, je termine par un exemple que nous avons connu dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Et pendant l'occupation en 2012 par les groupes djihadistes, et à l'absence de l'État et des forces de sécurité, les populations se sont vite retrouvées pour s'organiser face à la situation. Et après de longues discussions et face aux problèmes, on a pu mettre en place un cadre de concertation des sages. Le mot sage a tout son sens parce que quelle que soit la situation, des groupes armés, il y a quand même le minimum de respect vis-à-vis de la personne âgée. Et donc, le cadre de concertation a été mis rapidement en place, composé des sages, des femmes, des jeunes, des autorités traditionnelles et religieuses, des responsables des collectivités territoriales, des anciens fonctionnaires, et qui s'est donné pour mission d'évaluer un peu les dégâts causés par les groupes armés d'occupation, d'organiser une rencontre d'échange avec les responsables des groupes armés,
de faire l'état des lieux des services sociaux de base, notamment la station d'eau potable de la ville de Gao, d'Arsongo et de Bourem, procéder à la fourniture continue de l'électricité aux populations des villes de Gao, Arsongo et Bourem, assurer la sécurité alimentaire des ménages de Gao, Arsongo et Bourem à travers les périmètres maraîchers et les périmètres irrigués, et s'occuper des aspects sanitaires, notamment l'hôpital régional de Gao qui recevait déjà des blessés et les centres de référence qui sont à Gao, Arsongo et Bourem, et un peu organiser les opérateurs économiques pour recenser les problèmes et assurer le transport des personnes et des biens. Voilà un peu comment la situation très rapidement s'est présentée et qui a permis de stabiliser la situation et de faire en sorte que vraiment on parvient à arriver à ce stade pour occuper les terrains parce que l'administration n'est pas là, les forces armées de sécurité ne sont pas là et ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, par rapport à ce cadre de concertation, ils avaient une stratégie, c'est de maintenir le dialogue fécond et durable entre les groupes armés et le cadre de concertation. La désignation d'un interlocuteur de chaque côté, que ce soit les groupes armés ou les SAJ, établir la confiance réciproque entre les acteurs, établir une communication fluide, convenir ensemble des périodes de rencontres, gérer tous les problèmes survenus à cette occasion, bref, assurer la circulation des personnes et de leurs biens, que ce soit fluvial, terrestre ou autre chose, et assurer l'approvisionnement correct des marchés. Voilà un peu comment ça s'est passé. En termes d'acquis, jusqu'à la fin de l'occupation, une année après, l'approvisionnement correct de la ville en eau potable a été assuré. La fourniture d'électricité pour les ménages aussi assurée. Le ravitaillement en denrées alimentaires par rapport au approvisionnement du marché ou le fonctionnement normal des périmètres irrigués ou des périmètres maraîchers qui permettent de fournir des légumes aux grandes villes aussi. Voilà un peu, mesdames et messieurs, par rapport à cette expérience des régions nord du Mali pendant l'occupation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, le Sahel de façon globale. Et je pense que c'est une expérience qui peut être valable aussi au Niger, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, etc. Un peu quelques aspects. Madame, voilà un peu, Suzanne, quelques aspects que je voulais évoquer. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Est-ce que je pouvais vous demander une autre question concernant la sécurité, l'instabilité, des questions comme ça? Est-ce que vous pensez que les politiciens dans notre région prennent suffisamment d'actions pour mitiguer les risques de conflits qui sont liés à l'eau, à l'énergie et des ressources comme ça? Ou qu'est-ce qu'ils ont besoin pour prendre l'action? Ouais, madame, je crois que ça, c'est quand même une question extrêmement intéressante. Tous les dispositifs nécessaires en termes de législation, en termes de textes base existent. Mais vous savez, les événements de 2012 en République du Mali, notamment l'occupation de groupes djihadistes par une partie du territoire, nous a démontré à suffisance que tous les dispositifs, que ce soit du point de vue législatif ou réglementaire, que ce soit du point de vue organisation, sont largement insuffisants pour nous permettre de prévenir ou d'alerter de telles crises. C'est pourquoi il faut repenser, et c'est ça où le débat d'aujourd'hui est intéressant, il faut repenser à une nouvelle approche, à une nouvelle démarche, à une nouvelle vision par rapport à l'alerte, par rapport à la prévision des crises dans le Sahel. Mais, voilà, et évidemment, il faut qu'on trouve aujourd'hui la solution. C'est là où le débat d'aujourd'hui est extrêmement intéressant et c'est là où on a besoin de l'appui de nos experts qu'on a aujourd'hui pour nous épier pour cette question parce que
tous les dispositifs, les stratégies qu'on a jusque-là ont montré leurs limites. Fondamentalement, il faut qu'on trouve vraiment les bons bouts et c'est ça qu'on attend les grands experts comme Sharon, etc., etc., pour nous aider à avancer sur cette question. Parce que c'est très clair, aujourd'hui, on ne peut plus dire que le gouvernement ou les politiciens sont capables de prévenir les conflits. La réalité est tout autre chose. Mais cela veut dire aussi qu'il ne faut pas, qu'il faut aller à l'essentiel. C'est ça la vérité. Il y a une défaillance sur le terrain. Il faut réfléchir, il faut avancer, il faut de nouvelles propositions, de nouvelles stratégies par rapport à la situation. Sinon, tout ce que nous avons aujourd'hui comme élément a démontré son insuffisance. Merci, madame. Merci beaucoup. I do have a follow-up question. J'ai une question de suivi pour Sharon. Avant de repasser aux orateurs qui étaient avec nous auparavant, de votre perspective, l'administration des États-Unis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, on sait qu'il y a un risque de conflit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour agir? Est-ce que c'est l'argent, les capacités? Quels sont les problèmes? C'est en fait toutes ces choses-là. Comme j'ai dit, on se concentre sur ce qui est devant nous, sous nos yeux. Et ça devient difficile de voir les choses à moyen et à long terme. Je crois qu'il y a en fait un petit peu des partis pris. Et quelquefois, bon, on ne peut pas prévoir les choses comme on le voulait. Ce n'est pas fiable, toujours les prévisions, on ne peut pas le faire à l'avance. Il faut être à 100% sûr, ou alors on ne peut pas planifier. Donc, dans mon expérience, bon, j'ai travaillé avec les organisations militaires aux États-Unis. Elles planifient tout le temps pour l'avenir, constamment. Ils pensent que bon, ça serait irresponsable de ne pas le faire. Donc, ça serait une bonne chose de faire les choses de façon aussi rigoureuse et régulière par rapport à ces défis qui nous concernent. Je crois qu'il faut vraiment repenser les choses au niveau de la gouvernance sur ce qu'on considère comme la sécurité et le renforcement de la paix. Il faut mieux comprendre les personnes qui organisent les politiques. Il faut qu'elles comprennent la causalité, les ressources qu'elles ont, la façon dont les éléments de causalité entrent en jeu. Il faut mieux comprendre les choses par rapport aux politiques pour avoir la même rigueur, les mêmes investissements, la même anticipation, les mêmes prévisions par rapport aux situations. Je ne pense pas qu'on accorde une attention suffisante à ces éléments-là. Et maintenant, on arrive à une situation où on ne peut pas faire les choses comme on les faisait auparavant. Il va vraiment falloir changer les choses. C'est inhumain de faire la gouvernance comme on la réalise en ce moment. Il faut regarder vers l'avenir, prévoir et prendre la résilience en compte plutôt que de réagir quand les choses ne vont pas. Il faut tenir en compte de l'échelle de l'aspect environnemental pour prévoir ces choses. Et on ne peut pas se permettre d'attendre jusqu'à ce que les choses soient vraiment catastrophiques. Il faut agir avant la catastrophe. Merci beaucoup, Sharon. Je vais parler à Henk encore une fois. De vous faire réaliser des politiques au niveau international et national, au niveau mondial. Quelle leçon avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous fait agir? Merci de me donner la parole. Finalement, c'est quelque chose qui a lien à l'expérience indéterminée. Il faut regarder vers l'avenir par rapport aux défis.
et améliorer nos systèmes en temps de crise. C'est ce qu'on a réalisé par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe avec les crises. Il faut mieux gérer les choses par rapport à l'eau, la paix et la sécurité. Deuxièmement, il y a toujours un mélange dans l'aspect politique quelquefois, les pays sont très petits, de taille réduite. Il y a des gros problèmes à résoudre. Et quand on demande de l'aide, qu'on est désespéré, les politiciens réagissent de façon progressive ou soudaine. Il faut donc prévoir à l'avance, prévoir avant que les choses se produisent. Donc, il faut avoir un état de préparation qui soit satisfaisant, être adapté au changement climatique, renforcer les capacités, avoir une meilleure gouvernance. On sait, on est au courant de ce qu'il faut faire, mais il y a des méthodes très compliquées qui prennent beaucoup de temps. Il faut qu'il y ait une continuité, c'est d'importance critique. Dans ce contexte, il faut être vraiment réactif plutôt que régressif ou progressiste. C'est un équilibre que les décideurs politiques doivent atteindre. Il faut que ce soit viable à long terme. Il faut avoir un état de préparation qui soit en place. C'est très important, c'est critique dans le domaine politique. Parce qu'ils font face souvent aux choses à court terme par rapport aux crises. Et la crise climatique a accentué les choses. Il faut donc accélérer les choses. Et ceci permettra d'avancer les choses au point de vue des décideurs politiques. Ça leur permettra de réaliser la situation. Et aussi, il faut améliorer nos chances d'être réactifs. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ensuite, les pays donateurs, comme le mien, aiment les projets pilotes. Et c'est un problème parce que si on va de crise en crise en crise dans le monde entier, ça ne renforce pas la résilience de nos systèmes, de nos communautés. Si on combine le niveau d'opportunité et d'innovation de façon positive avec cette continuité, cet engagement et de faire les choses de façon régulière. Ensuite, les projets pilotes qu'on a peuvent mener à un programme. Et de cette façon, on peut faire face à la situation par rapport aux expériences passées et prévoir des politiques en conséquence. Et ceci nous permettra d'encourager le changement, de le favoriser. Je vois que M. Touré va ajouter quelque chose. Je vous demande d'être très bref, moins d'une minute, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant. Merci Suzanne. Je voudrais dire qu'il y a deux ou trois aspects sur lesquels je voudrais revenir. En termes de propositions de solutions, le premier, c'est vraiment de lutter contre les inégalités sociales. Vous savez, la plupart des problèmes qu'on a sont liés aux inégalités sociales. Parce que la justice est mal répartie, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, parce que l'administration ne fait pas son travail, et ça crée des problèmes, et cette inégalité sociale, son aboutissement est l'exclusion sociale.
Et c'est ça le grand problème. C'est pourquoi il faut une fois de plus une solidarité internationale, et justement à travers le panel que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour permettre à nos États d'avancer sur ces questions, d'identifier à travers le monde des bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion de conflits et l'extrapoler dans le Sahel. C'est extrêmement important parce que ce n'est pas fondamentalement tous ces aspects qu'on considère, mais c'est plutôt au niveau de la gouvernance, comme Sharon l'a dit, que ça ne marche pas et c'est ça qui crée des problèmes. Merci, Suzanne, par rapport à ces problèmes. Merci beaucoup, merci. I have one final question. J'ai une question finale que j'aimerais poser à Hilda Rodemond. Par rapport aux capacités de prévision qu'il a par rapport à l'eau et l'alimentation, mais aussi de façon générale, comment vous pensez qu'on va progresser? Quelles seront les priorités clés prochaines pour l'Europe et pour tous les pays pour pouvoir agir en conséquence? Merci, merci pour ces débats très intéressants. Donc, ce qui a été dit par Madame Burke, par Monsieur Oving et Monsieur Touré, c'est que, bon, par rapport à l'importance de ne pas être réactif, mais d'être là à l'avance, de prévoir. Il faut réagir aux crises, bien sûr, mais il faut être résilient, il faut renforcer la résilience et les capacités. Bien sûr, l'Europe est un organisme de réglementation au niveau international et qui a des pouvoirs concernant les conflits mondiaux. Et on a donc parlé du changement climatique et c'est une priorité clé pour tout le mandat qui nous concerne. Vous parliez de nos politiques étrangères, donc c'est clair qu'on ne peut pas traiter des questions comme le climat si on ne travaille pas sur la planète entière. Donc l'Union européenne essaye d'utiliser tous les outils disponibles. On a des il faut des politiques en place, de l'aide au niveau du développement. Il faut aller dans le même sens. Il faut pouvoir faire prendre conscience. On ne peut pas travailler sur la résilience, sur les capacités, s'il n'y a pas une prise de conscience, une sensibilisation. Et à l'Union européenne, on a aussi un avantage par rapport aux gouvernements nationaux. Comme M. Hovind a dit, bon, il y a des projets pilotes, mais la Commission est toujours là pour des périodes plus longues, plus étendues, et on essaye d'aller dans sa direction. Dans ce sens-là, on travaille dans notre équipe, à l'Union européenne, avec les divers gouvernements par rapport à l'eau et au climat, qui sont des sujets clés à résoudre, et aussi avec les organisations internationales, les gouvernements sur le terrain. Donc la sensibilisation et la prévention, donc il faut avoir une signalisation précoce, savoir les choses à l'avance. Dans nos pays aussi, en Europe, on a ces problèmes-là, et dans les autres pays aussi, bien sûr, il faut pouvoir confronter la situation avant qu'elle se produise. Merci beaucoup. Malheureusement, on arrive à la fin de notre session sans tarder. Donc, je vais donner la parole à Alexandre Mesdin, qui vient de l'Agence de coopération internationale qui gère le projet Nexus, qui, avec SWPS, travaille dans le domaine des risques de conflit qui affectent la sécurité alimentaire et de l'eau. Merci beaucoup, vous m'entendez?
Merci à tout le monde. Je regrette du programme technique que j'ai eu tout à l'heure avec le système informatique, mais on a en tout cas partagé nos expériences pour prendre des mesures appropriées par rapport à notre sujet. Pour résumer ce qu'on a dit, pour les messages clés qu'on a tirés de cette session, on vous remercie tous et toutes pour vos présentations qui nous ont donné une idée de la complexité de la situation. Et maintenant, le défi est de s'assurer de mieux connaître le changement climatique, d'agir par rapport à cela, aussi dans les diverses industries, pour pouvoir prendre des mesures. Il y a aussi des mesures de sensibilisation qui doivent être prises au niveau local. C'est difficile de mettre en œuvre ces mesures alternatives en vue des complexités existantes qui ont été mentionnées par nos collègues. Il y a des difficultés par rapport à cela. Mais pour terminer, je voudrais dire que oui, toutes ces complexités, ces défis, ces difficultés doivent être transformées pour agir de façon positive pour la paix, pour la sécurité des ressources et le renforcement de la paix au niveau local et mondial. Ce que fait le WPSP. Je vous remercie, Madame Hardemann, le gouvernement allemand, les membres du panel, Monsieur Touré du Mali. Malgré les difficultés de connexion que vous avez eues de votre côté, je vous invite maintenant à poursuivre cette discussion sur la plateforme Nexus, qui sera postée dans le chat et aussi sur le site internet. Et on espère que vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment concernant cette plateforme en ligne. On vous remercie pour votre patience avec les problèmes techniques que les divers délégués ont eus. On vous remercie beaucoup et on reste en contact. Merci. Bonne journée.